Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. Donc, on part directement donc vers le centre d'opération, pardon, et on va essayer de trouver une borne de vente, un distributeur automatique littéralement, hein, et essayer de récupérer un petit peu d'argent pour passer au niveau 5, au niveau de notre rang de voyage, là, au type de voyage, je sais plus comment ils appellent ça, là. Bref, vous allez le voir tout de suite, ça va passer à l'écran dès qu'on aura vendu des choses. Et donc, pouvoir parler à Polo qui nous donnera autre chose. Pouah, c'est le bordel. Sachant qu'en plus, ça se trouve, ce n'est pas Polo qui nous file notre... notre passe, hein. Je ne me rappelle plus, à vrai dire. Hop, bon bah c'est un grand truc déjà. Tu as le droit d'avancer, hein. Oh là là, il veut pas. Hop, allez, on se pose. Crac. Ok. Normalement la porte s'ouvre toute seule, j'ai pas cassé. Va vraiment me falloir des grenades. Hop, c'est bon. Allez, on rentre. Dis-moi que t'as un truc de vente. Putain, il rentre. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Moi, je peux pas utiliser d'armes, lui non plus, je pense. Pas cette Atlas V2, putain. Ça m'énerve. Dépôt. La récupération de la production de l'installation est en cours. Je peux accélérer le système en stimulant certaines des machines qui se trouvent sous mes pieds. Sur le terminal, ce qui semble être un écran de gestion de l'alimentation est affiché. Bobine défaillante. Alimentation bobine défaillante. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je... D'accord. Feuille de blindage. D'accord. Ok. Et par ici, c'est fermé aussi? Ouais. J'aurais dû m'en douter. Bon. Et là-dedans, on a quoi? Oh, ce plan est déjà connu. Oui, mais enfin bon, fin de la tempête, certes, mais ça m'intéresse pas. Moi, je voulais... Oh, mais merde. Tu m'emmerdes, tu comprends? Tu comprends quand je te cause? Tu m'emmerdes. Oh putain, y'a un truc rond. Y'a un truc rond au sol. On a un vendeur itinérant. Oh la gueule. Je t'aime. Tu m'entends ça? Je t'aime. Hop, salut. Ah. Tiens, mange ça. Mange ça. Et mange ça. Ah, étape de voyage atteinte. Ah, plus de piles. Bon. Hop. Tu me dis pas étape de voyage atteinte, tout ça, non? Tu hésites maintenant, tu veux plus me le dire. Mais d'accord, je l'ai bien atteinte, hein. Voyage, étape 5. Voilà. Ok, on y va. Hop là. On laisse aller tranquillement. Il m'a fait toujours pas étape de voyage atteinte. Ça m'inquiète, mais bon. Il faut y croire. Ah, voilà. Merci. Ce jeu n'est pas bugué. Hop. Je vais juste noter le temps qu'on arrive à se garer sur place. J'ai pas me laisser me faire agresser, hein. Pas juste devant. Non, aucun vaisseau ennemi. Oula! Fou la violence! Hop! Et on est bon. Salut! Bye bye! Sayonara! Et un tas d'autres choses encore. Auf Wiedersehen!
Yo! Voilà, là il réclame toujours les trucs des unités. J'ai atteint le niveau d'étape 5. Oui, je suis déjà venu pour te demander ça. Salut! J'avais tort de craindre que Polo ne me vole mes unités. Il jette plutôt un coup d'œil à un graphique incompréhensible et éclate de rire comme si on lui avait raconté une blague. Il me tend ensuite un cadeau, une nouvelle technologie. Adaptateur, tête chercheuse. C'est stylé ça. Faudra des aquasphères, ce plan est déjà connu. D'accord, donc c'était pas lui qui me fournissait le. Entité prêtresse. Ok. D'accord. Reprendre la voie de l'Atlas. D'accord. Et il m'affiche une autre interface. D'accord, ok, bah écoute, pourquoi pas. On va faire ça comme ça, je pense. Est-ce que, alors attendez, est-ce que j'ai quoi que ce soit dans mon. Oui, j'ai encore un saut possible. Ok, on va faire ça comme ça. Bon. Et normalement, quand je reprends le vaisseau et que je fais map, une fois que je serai sorti, bien sûr, je vais pouvoir retrouver un truc Atlas. Ok. Ok, et normalement. Voilà. J'appuie sur E. Voilà. Et je peux normalement, chemin vers l'interface Atlas, m'y diriger, enfin commencer à m'y diriger en tout cas. Et on va voir si c'est suffisant pour la rejoindre ou s'il faut qu'on se pose entre-temps. Alors. Merde! En fait, je me chie dessus depuis le début, apparemment. Selon le jeu. Apparemment, faut vraiment que j'aille dans les stations, là, les trucs bizarres, là. Les comment les. Pardon. Les comment les bâtiments protégés, là? Que je réponde au truc? Et potentiellement, je pourrais obtenir le pass Atlas. Oh là 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 là. Ok, bon, un truc bizarre. Faudra que je regarde autre chose encore une fois. Donc, bah, vous savez ce qu'il faut qu'on cherche maintenant, hein. C'est génial. En fait, j'étais sur une bonne planète littéralement avant. Ah. Comme dirait l'autre, ça me trouve le cul. Cherchez pas à savoir qui est l'autre. C'est Eric Cartman, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ce bâtiment? Hop! Oula, comment tu te gares, toi? Apparemment, il a absolument tenu à faire un demi-tour. Et à se garer tout lentement. Hop. Et à se garer de l'autre côté aussi, hein. J'avais réclamé de l'autre côté, mais non, ça lui a pas plu. Hop.
Ok. Ah, ça y est. On va prendre le point de sauvegarde. Crac. Bon. Donc du coup, faut qu'on trouve toutes ces... D'accord, et forcément, on est sur un endroit où il n'y a pas la fameuse balise. Ah, quoique. Note pour plus tard, pensez à prendre de quoi... Pensez à farmer les multi-outils. Les multi-outils, pardon, j'arrivais à parler, ce serait bien. Hop. Merci d'aller vous faire foutre, tous autant que vous êtes. Ok. Allons-y. Atelier Vichepis Rens. L'alerte sécurité brouille l'affichage de l'écran qui ne contient plus que des mots mélangés. Je remarque une portion de texte encore compréhensible qui m'indique le flux opérationnel normal et pourrait permettre de réactiver l'installation. Hein ? Accostage. Accostage. Allez. Ah ! L'installation reste désactivée. Quel dommage. Et je ne peux plus répéter le truc. Merde. On s'est chié dessus. Enfin, je me suis chié dessus, chers amis. Merde, merde, merde. Alors, je crois qu'on peut pirater ces trucs-là. Hop. Allons-y. C'est pour appeler le vaisseau. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Il s'est garé, en fait, sur la place de parking, littéralement. Oh, d'accord. C'est chiant, avec le casque en fait je sais plus ce qui vient du jeu ou ce qui vient de chez moi. Oh la gueule. Hop. Par ici. Bon, dans le pire des cas il y a un truc de piratage. Enfin il y a un truc à pirater. D'ailleurs à ce sujet on peut peut-être profiter un petit peu de temps libre. Si je puis dire. Ah, il va me falloir du fer. Il va me falloir du fer, c'est un peu dur à trouver, il paraît, sur les planètes. Je rigole, hein, bien sûr. Hop. Hop, voilà, merci. Hop, c'est parti. On y va. On s'embête peut-être pas à voir le reste. Qu'est-ce qu'il y a là? Enfin. Hop. Rien d'intéressant, comme ça c'est clair. Et ici, une technologie multi-outils qu'on aura sûrement déjà. Voilà. Hop, la suite. Ouvre la porte, s'il te plaît, merci. Alors, avant-poste coloniaux. C'est parti. On va essayer de les farmer, hein. Installation de production détectée. Ok. Ah, merde. J'essaie d'activer en fait plus vite le truc, mais... Au final, je perds du temps. J'espère que ça ne va pas consommer une... Hop. Allez, dépêche. Hop. Installation de production, d'accord. Hop. Avant-poste colonial, pourquoi pas? Centre d'opération, alors faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde s'il y a une plus de chance dans un des deux coins. Alors. Déjà ça, on va déjà aller voir tout ça. Il y a du boulot, hein, comme on dit. Ça va nous faire du bien. Est-ce que je peux... Voilà, merci. Hop. Allons-y. Crac. Non, non, en fait, l'espèce de bruit de flotte vient bien de se... Ah. Ah. Voilà. Hop.
Ah, il va être par de là, là. D'accord. Ok, non mais... pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Allez! Allez, on se dépêche. Allez, pousse! Qui c'est qui sort pour pousser? Allez! Oh, il avance à rien. J'ai pas l'impression, en fait, le problème c'est qu'il y a un gros manque de réalisme dans le jeu et ça casse tout. 137 unités de vol, ça correspond à quoi? Parce que si je suis qu'à 137 km/h, putain. Oh, pas bon. Hop. Elle a l'air sympa celle-là, remarque. Hop. Hello there. Pleine de go et d'ape. Bon, ça m'énerve aussi. Pas vous mentir. Hop. Dégâts d'impact. Ah là 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 là. Il va me falloir vraiment mieux. Il va me falloir mieux. Hop. Mais oui. J'ai peur. J'ai très très peur. Hop. La suite. Crac. Quelque chose est traqué dans ce complexe. Sa surface est chaude. Chaude, pardon. Chaude. Je vais arriver à parler, mais je m'entends pas donc. Des mécanismes cachés claquent et vrombissent. Une goutte de sueur roule sur mon front. Élevé. Activer la cellule. J'ai fait ça. L'usine est activée. Cool, on a réussi. Nouvelle lancée de produits, éclat de blindage. Pourquoi pas? C'est pas ce que je recherche. C'est pas du tout ce que je recherche. Bon, c'est pas grave. Retournez voir le vaisseau. Hop. Hop. Ok, bon, on y retourne. On décolle. Alors, la suite. Installation 6 minutes. 3 minutes. 8 minutes. On va commencer par la 8, puis ensuite on fera toutes les autres, les unes à la suite des autres. On verra bien. Hop. Apparemment, c'était pas ça qu'il fallait faire. Hop. Voilà. Allez! Oh là là, il y a un manque de vitesse. Mais non! Freine pas! Au contraire, accélère! Apparemment, en fait, le truc se barre. Au fur et à mesure que j'approche, il se barre parfois, regardez. Le temps remonte. Des fois, il saute, en fait, le truc. Il va de plus en plus loin. Allez! Oh là là! Hop, ah bah oui! Va bien! J'appuie apparemment sur la touche E. Je sais pas encore trop comment. Ni pourquoi, hein. C'est long. C'est long. Putain, qu'est-ce que c'est long. Oh là là. Ce jeu est d'une lenteur infinie. Allez, on est à 20 secondes normalement. Normalement. Allez! C'est bon. C'est bon. On y est. Hop! Parfait! Parfait, parfait. Tentacule! Ok. On recharge.
Hop. Mais non, c'est dans ta tête. Il n'y a pas de cible derrière moi. Hop, c'est bon. On rentre. On remarque qu'une fois de plus, il n'y a rien d'intéressant. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Ok. Tous les systèmes ont planté, des lumières d'alerte clignotent. Les cellules stockant habituellement des éléments peu communs extraits de la planète sont presque vides. Peu communs. Je suis trop loin avec mon vaisseau. Je suis trop loin avec mon vaisseau. Vaisseau. Donne-moi du tamium. Merci. Et là, si le truc a changé, par contre, je rage. Hop. Ok, tiens. Hop. À nouveau opérationnel. Nouvelle recette de produit, capsule énergétique. Je les connais pas, ces trucs-là. Ça me dit vaguement quelque chose. Hein. Ça me dit vaguement quelque chose, chers amis. Et s'il me fait me rapprendre des choses que je connais déjà à chaque fois, ça va pas être drôle. Surtout s'il me cache le fait que je le sais déjà. C'est-à-dire que le jeu, au courant de sa connerie... Centre d'opération, c'est parti. Non, non, là, moi, je fais un double saut. Hein, c'est pas la peine. Hop. Voilà. Crac. Oui, oui, tu peux toujours essayer de faire genre tu t'enflammes, mais non, non. Je gagne du temps, moi, maintenant. Je cherche pas plus loin. Allez, gare-toi. Oh ! Gare-toi ! Voilà, merci. Et pas à 30 km ! Oh, mais qu'il est con. Qu'il est con. Hop, allons-y. Ah, oui, oui, bah écoute, j'en ai rien à foutre de tes sentinelles, moi. Elles me font pas de dégâts ou presque. Tu as rarement peur de mourir dans le jeu, en fait. Hop. Je peux scanner le truc. Voilà. Eh ben non. Bug. Bug, bug, bug. Complètement bugué. Ouais. Et en plus, il y en a qui sont buggés maintenant. Génial. C'est la fête. C'est la fête. Peu de pile. Allez. Hop. On se casse. Crac. On n'en est pas très très loin. Voilà, à peine 45 secondes. Ça devrait se faire assez vite. J'ai dit assez vite, hein, mais... Je commence à me poser des questions maintenant. Est-ce que je me baladerais pas en vaisseau sans permis? Je commence à avoir des doutes, honnêtement. Hop. Honnêtement, j'ai de gros gros doutes. Pour moi, c'est un vaisseau sans permis. Ça ne fait presque aucun doute maintenant. Allez, dernière. Et si ça passe pas, je rage quitte. Parce que franchement, on aura fait tout ce qu'il fallait. Combien qu'il faut en faire pour réussir à... Hop. Allez. Mes munitions descendent d'abus d'œil. Descendent à vue d'œil. Elles descendent... Ouais, je sais pas. Oui, elles descendent.
à vue d'œil. On va dire à vue d'œil simplement plutôt que de faire une liaison. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir trop de soucis. Alors, on va pas trop vite. Voilà, veux-tu bien interagir? Voilà. L'avant-poste est activé. La jauge de toxicité atmosphérique de mon exocombinaison commence à clignoter. Sur le terminal, les chiffres chutent brutalement. Il y a une fuite dans le système. Élevé. Ventiler l'excès de gaz, augmenter la pression du système. Hein. C'était ça? Oui! Oui, c'était ça! Parfait. Recette térumine, alliage métallique neutre. D'accord. Il me donne plein de trucs dont je n'ai aucune utilité quand même, le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, moi je vais me renseigner, chers amis. Je vais me renseigner en dehors. Et puis on verra ça la prochaine fois pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop. Blah. Blah.